Michon, Michon. Plagiat, plagiat. Salam le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça qui est pas possible, les gars. Franchement, là, ouais. Là, ça c'est... Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est marrant. Ça me fait rire. Alors bien sûr, tu l'as vu avec le titre. Bien sûr, voilà, on va parler du dernier titre de Niska en featuring avec Booba. Le dernier son du coup de Niska qui s'appelle Médicament. Donc voilà, bon, je l'ai un peu écouté. À la base, je l'avais un peu écouté. Bon, j'avoue que c'était pas trop mon délire. Et j'ai appris quelques jours après, j'ai vu même pas, c'était quelques heures après, hein, j'avais vu sur Twitter, beaucoup de gens avaient réagi sur le son. Enfin, il y avait une polémique déjà, tu vois, avec des rumeurs, tout ça, qui disaient comme quoi Niska aurait plagié un son. Voilà, enfin, voilà, apparemment, il l'aurait plagié. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, combien... Franchement, il y a eu énormément de sons. On dit à chaque fois, ouais, ça a été du plagiat et tout. Et puis, quand t'écoutes, tu dis que les gens, bon, ils sont allés un peu trop loin, frère. Juste parce que t'entends un bruit de piano. Dans l'autre son, t'entends un bruit de piano, on dit, frère, elle a plagié. Ouais, il y en a, ils abusent. Mais là... Méchant, méchant. Donc, tu vois, bon, bah, déjà, voilà, un extrait du son Niska. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Chacun. Et du coup, moi, je me suis dit, bah attends, on va aller voir le mec qui s'est fait plagier. On va voir le délire, tu vois. Alors, l'artiste en question s'appelle Léon. Le son s'appelle Plein les poches. J'ai regardé le clip, j'ai écouté le son, du coup. Et, bah... Extrait. Mauvaise, mauvaise langue, baby girl, sous ses talons. Elle veut savoir mes secrets. La nuit, je dors près du canon. Et maintenant, le son de Niska. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle veut connaître mes secrets. La nuit, je dors près du canon. Et maintenant, plein les poches. Mauvaise, mauvaise langue, baby girl sous ses talons. Elle veut savoir mes secrets. La nuit, je dors près du canon. Et maintenant, à nouveau, le son de Niska. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle veut connaître mes secrets. La nuit, je dors près du canon. Donc là, il y en a, en fait, il pique des flots, tout ça. Lui, il s'est fait un packaging direct. Il a dit, les frères, on va piquer le flow et le texte du mec. Méchant, méchant. Non mais cousin, non mais tu sais très bien à un moment donné, surtout comment ça va hyper vite sur les réseaux sociaux. Le mec en plus ça va, il est pas non plus. Bon, j'avoue que maintenant le gars il fait grave des vues grâce à ce délire là, grâce à cette polémique. Mais tu sais qu'à un moment donné ça va tomber. Combien de gens ont plagié des trucs, à un moment donné se sont fait griller. Bon, Jules, voilà, lui mon gars il a fait des albums, c'était des albums plagiat, frère. Je jure, je me rappelle une fois il avait un album, c'était que des anciens sons des années 80-90. Mais je vais pas revenir là-dessus. Et Niska, ouais, c'est violent. Et attendez, parce que l'histoire n'est pas finie. Parce que tu te dis, comment le mec, voilà, ça veut dire comment il fait pour plagier les sons. Est-ce qu'il y a des gens autour de lui qui, voilà, qui s'occupent de regarder, voilà, des clips qui font pas trop de vues, mais qui sont pas mal et tout, et qui disent, bon, frère, inspire-toi de ça. Non, non, non. C'est encore mieux. C'est qu'apparemment, le mec, il aurait envoyé en privé, donc, à Niska, donc, je sais pas, sur Insta, tout ça, je m'en rappelle plus, j'avais vu une petite capture, là, sur Twitter, je vais essayer de vous la retrouver, ça se trouve, là, je vous la mets même actuellement, justement, en fait, il avait demandé un peu de ce fort, tu vois, il avait dit, voilà, regarde le son, tout ça, dis-moi ce que t'en penses, et tout, voilà, les petits trucs que tu fais, voilà, quand tu débutes, et que... T'as besoin de ce fort. Et du coup Niska, bon déjà il n'y a pas eu de ce fort du tout. Et carrément il a tout piqué. Donc il a piqué pratiquement l'instru, il a piqué le flow et il a piqué la moitié du texte. Méchant, méchant. Non mais sérieusement frère, c'est... Oh là là. Non franchement là il y a plus du tout eu de respect. Et du coup bah pour l'instant Niska a toujours pas réagi. Donc j'ai regardé, hein, j'ai vraiment regardé. Il a pas, pour l'instant il a vraiment pas réagi à ça, mais là franchement non, c'est faute impardonnable, tu peux pas faire ça. Même si, voilà, à la place là, de Léon, tu peux être à la fois heureux et vénère.
Parce que tu peux être vénère, normal, le mec il pique le son comme ça, il te donne pas de sophore, tu vois, de base. Mais finalement, inconsciemment, il t'a donné de la sophore. Parce que vu que la polémique prend de l'ampleur, même le clip, il a plus de 100 000 vues, alors que sur sa chaîne, tous ses clips de base dépassent à peine, même pas, ils font même pas 10 000 vues, tu vois. Que d'un côté, c'est pas mal, d'un côté, il peut être heureux là-dessus, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment dégueulasse. Et quand voilà, tu fais des ventes, quand tu fais des... Voilà, même tu sors un son, tu dis, ouais, c'est vrai que c'est un son, il est pas ouf. Mais au moins que ça soit le tien, tu vois. Là, le son, il est pas ouf. Et en plus, c'est pas le tien. Et en plus, t'as fait poser Booba dessus. Le mec, hey, Niska. Michon. Bref, les gars, voilà. Dites-moi donc vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, les frérots. Bref, les gars, c'était rien pas possible. Je vous aime. Je vous laisse. Et surtout, frérot, hey, n'hésite pas à t'abonner quand même. Parce que ça... Ça fait plaisir quoi. Hey, je vous fais la fucking bills.